Bonjour, bonsoir tout le monde. Dans la vidéo, je vais vous montrer deux façons capables de déverrouiller le téléphone si vous oubliez le code. Je vais vous donner deux méthodes. Dans la première méthode, vous allez perdre toutes les données qui sont sur le téléphone. Et dans la deuxième méthode, vous allez perdre rien. Sous vidéo, jusqu'à ce qu'elle finisse pour capable voir comment est facile pour capable reset téléphone. À cause grand avancée qui fait dans dernière année, surtout dans affaire communication, chaque téléphone est muni d'un niveau de sécurité. Parfois c'est un mot de passe, parfois c'est un schéma, parfois c'est empreinte digitale, parfois c'est un code PIN, yo chaque gion moyen pour capable protéger données qui dans téléphone. Et bien dans vidéo ça m'a montré deux façons si oublier mot de passe pour capable déverrouiller téléphone. Première méthode m'a ba là, c'est une méthode côté qui on perd toutes données qui sous téléphone. Donc téléphone a pris cette net toute bagarre perdu sous lui. Ou ferme téléphone là. Là vous fin ferme téléphone là, ou pour peser deux boutons. Ou peser bouton power et puis bouton volume plus là. Ou peser ensemble. Et puis ou quitter main sous. Jusqu'à ce que ma téléphone ou en li monte. Ou faut quitter jusqu'à ce que ma téléphone en li monte. Depuis ma téléphone nan fin monté ou mettre la gueule. Quand y a là ou même ou a quitter le marché. Tout ça gain pour faire ou va le servir ensemble avec bouton power et puis bouton volume. C'est avec trois boutons ça aussi ou pour le servir. OK? Mais menu ça qui monté quand y a là ou elle est marqué reboot système. Non, c'est pas ça ou besoin. Ou va descendre ensemble avec volume moins 100. Ou aller dans Wipe Data Factory Reset. Et puis, vous appuyez le bouton Power pour capable reset téléphone nan net. Parce que c'est tout bagay ou effacer sur téléphone. Nan. Ok, là, li bon yon message, li mande ou est-ce que vraiment vous voulez supprimer tout ça gen sur téléphone. Nan. Ou ap di oui. Ou ap descendi avec bouton Power moins 100, bouton volume moins 100, et puis vous cliquez sur bouton Power pour capable accepter. Là, et vous fin accepter là, ou quitter le fait temps lui-même la efface tout donné ou gain sur téléphone là, y compris mot de passe là, téléphone on a tout déverrouillé. C'est une méthode qui facile. Donc ou pas faire en pile travail, donc téléphone là lui-même l'a déverrouillé pour col. Après étape ça, ou quitter le marché. Quand y a là l'album message ça encore, on va cliquer sur reboot system now. On va cliquer sur bouton power pour capable accepter et puis le début au fin accepter le téléphone lui-même l'a redémarrer. Le téléphone fin redémarrer, téléphone on l'a vierge. Li pa gen aucun donné sous lui, toute bagaille a clear. OK téléphone a redémarrer. Là quand y a là li marqué start, ça veut dire toute bagaille est en fin fait. On est là ou capable configurer téléphone nous j'en voulais connecter la internet mettre un autre mot de passe un autre compte et puis fonctionner normalement avec téléphone qu'on est à nouveau parti pour deuxième méthode là dans deuxième méthode là ou pas perdu rien n'a suivre comment on va faire ça parce que ou pas perdu aucune donnée en suivre faire ça ou a besoin un autre appareil un autre téléphone ou bien un laptop et vous pouvez monter sous Chrome. Vous pouvez cliquer sur findmymobile.samsung.com. Et vous pouvez cliquer sur se connecter. Là où il là, vous mettez email que vous avez sur téléphone. Nan. Et puis vous pouvez entrer mot de passe là. Là vous entrer mot de passe, vous cliquer sur connexion. Là, nous avons un téléphone ensemble avec nous, nous suivons étape par étape. Nous avons un téléphone lui-même, là, il est verrouillé. L'enfin connecté sur site là apparaît comme ça. Ou est capable tracer téléphone nous ou capable faire sonner. Ou capable verrouiller téléphone là, ou capable effacer données, ou capable déverrouiller. C'est déverrouiller qui intéresse nous qu'on y a là, n'a cliquer sur déverrouiller. L'enfin cliquer sur déverrouiller. Là petit nous bon capable confirmer mot de passe nous. Ou connait est-ce que c'est vraiment nous-mêmes qui a connecté là. L'en fin mettez mot de passe là, n'a cliquer sur suivant. Alors mot de passe là que vous mettez là, c'est mot de passe email ou email que vous avez sur téléphone là. Là nous capable voir téléphone là déjà déverrouillé. Sans nous pas main li déverrouillé.
C'est comme ça tout, même j'en déverrouille là, si vous voulez, ou capable verrouiller téléphone là, si on monde vole téléphone nous, ou capable déverrouiller le mail. Pour verrouiller téléphone là, c'est même processus là. Ou cliquer sur verrouiller. Là vous finissez cliquer sur verrouiller, il pourra le bon côté pour capable choisir un code PIN. C'est avec code PIN ça pour un monde capable ouvrir téléphone là. Là on va cliquer sur suivant. Quand il y a la limande pour capable configurer un code PIN. Si un code PIN que vous choisi, sans code PIN ça, mon pas capable déverrouiller téléphone là. Pour capable entrer dans téléphone là, on a besoin code PIN ça. Là vous finissez mettre code PIN là, on va cliquer sur verrouiller. À la minute que vous faites ça, le téléphone est même déjà verrouillé. Sans code PIN, vous ne pouvez pas ouvrir le téléphone. Voilà, moi j'espère que la vidéo a fait plaisir. Bye vidéo à un like, partagez la vidéo, abonnez à la chaîne. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune nouvelle vidéo que nous allons publier.